vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale, une vidéo spéciale aimant, donc comment poser des aimants soit dans une page d'album pour la fermer, soit sur une carte. Pour vous montrer, je vais utiliser deux sortes d'aimants. Ils font tous les deux 1 mm d'épaisseur, donc pas trop épais pour ne pas rajouter d'épaisseur. Et puis, donc ceux-ci font 1 cm et ceux-là 1,5 cm. Vous choisirez la taille en fonction évidemment de la taille de votre projet. Les petits, pas de souci, ils sont extra forts, donc ils tiennent très bien. Vous allez les trouver évidemment dans ma boutique par lot de 10. Et donc, je vais vous montrer comment fermer ces trois pages. En posant un aimant ici tout d'abord, et puis ensuite, soit vous pouvez le poser ici, c'est le mieux parce que vous ne rajoutez pas d'épaisseur, il va y avoir des papiers décorés entre deux, donc rajoutez au minimum de l'épaisseur entre les deux aimants, ou alors vous pouvez le poser ici. Donc je vais vous montrer en le posant ici et ici. Vous mettez d'abord de la colle en centrant à peu près au milieu, en décalant de 2 cm sur ce rabat-ci. Comme c'est la colle, il faut le temps que ça prenne, donc je laisse bien sécher. Et une fois sec, vous refermez votre rabat et l'aimant va venir se positionner tout seul au bon endroit. Donc, vous remettez un point de colle et tout simplement vous posez, ils vont être parfaitement alignés les aimants. Il faut juste, comme c'est la colle, pour l'instant laisser sécher pour que ça adhère, parce que mon aimant est venu se mettre ici. Il faut bien qu'il reste sur l'autre page. Donc on laisse sécher. Pour que ce soit plus rapide, on peut utiliser aussi bien sûr une bande adhésive. Si je mets un morceau d'adhésif ici sur mon aimant, bien sûr, il va tenir tout de suite. Ce qui est mieux. Par contre, l'adhésif, je ne suis pas fan parce qu'il y a cette bande ici protectrice et souvent j'oublie de l'enlever. Donc n'oubliez pas, quand vous mettrez votre papier décoré, si vous avez utilisé l'adhésif, de l'enlever. Donc vous voyez, ma page tient, c'est super et bien aligné du premier coup. Ensuite, je vais vous montrer en posant cette fois l'aimant de ce côté, et là c'est un petit peu moins évident, mais c'est mieux parce que moins d'épaisseur. J'ai de nouveau un trifold avec un grand rabat ici et un plus petit ici. Je vais de nouveau poser mes aimants, donc je prends les petits et cette fois je vais le poser ici et ici pour ne pas avoir donc trop d'épaisseur. Je vais donc mettre le premier ici. Alors, soit la colle, moi je préfère, soit un morceau d'adhésif. Vous mettez un point de ce côté du rabat, donc sur l'intérieur. On laisse bien sécher. Et une fois sec, nous allons poser de ce côté. Je vais poser donc sur ce rabat-ci un morceau de papier décoré. Donc, peu importe, hein, c'est juste... juste pour vous montrer, donc avec ma colle magique, vous avez vu, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais je n'en mets vraiment pas beaucoup. Donc mon premier aimant est recouvert. Et nous allons donc ajouter le suivant. Je referme donc cette partie. Et cette fois, je veux le mettre ici. Donc je vais prendre mon second aimant. Je le pose sur le premier. Et je vais dessus mettre un point de colle. Et ce point de colle, donc, je vais refermer. Je vais bien appuyer à l'endroit où j'ai mis la colle, sur l'aimant. Et je vais avoir, est-ce que vous voyez, je vais avoir la trace ronde de la marque de l'aimant où j'ai mis la colle. Alors, si ça déborde un petit peu ici, surtout vous enlevez. Et puis, vous prenez la face où il y a la colle et vous retournez votre aimant sur la marque. Pourquoi il faut le retourner? Pour avoir les deux faces magnétisées. Donc, je laisse bien sécher également. Vous pouvez mettre un morceau d'adhésif.
Je vous rappelle, n'oubliez pas d'enlever la protection quand vous recouvrirez ce côté. Et puis, mon aimant tient parfaitement. C'est top, il est au bon endroit, pas de décalage, c'est super. Maintenant, je vais vous montrer ma troisième méthode, celle que je préfère. J'ai de nouveau pris un trifold, donc là c'est une carte, alors c'est rond par ici. Pourquoi j'ai pris ceci? C'est parce que je vais, dans mon prochain tuto, réaliser un tuto carte comme cette forme en fait. Donc, je vais poser mon aimant déjà avec vous. Je referme ce rebord et je veux que ça s'attache ici. Donc, je vais poser mon premier aimant de ce côté. Cette fois, j'ai pris les aimants de 1,5 cm. C'est un petit peu plus grand. Donc, pareil, soit la colle, soit mettre un point de colle et on pose l'aimant. Ou alors, poser un morceau d'adhésif dessus et... Je mets quand même un point de colle pour sécuriser. Je préfère. Je n'ai pas trop confiance à l'adhésif au sujet des aimants, mais bon. Et vous posez votre adhésif. Je rappelle, on n'oublie pas d'enlever la protection avant de coller le papier décoré. Et là, il me faut mon aimant par ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un second morceau d'adhésif. Mais cette fois, je vais le retourner comme ceci. Vous voyez, la face protectrice est là. Je le retourne pour avoir la face qui colle vers moi. Et je pose mon second aimant dessus. J'enlève mes doigts du mieux que je peux parce que ça colle. Et tout simplement, je vais refermer cette partie et appuyer au niveau de l'aimant autour. Et regardez. Mon aimant ne s'est pas posé parce que je n'ai pas assez appuyé. Donc je recommence, j'appuie bien pour que la partie adhésive vienne coller de l'autre côté. Et cette fois c'est bon, mes deux aimants sont posés et là vraiment aucun souci, ils sont exactement au bon endroit. Et je préfère cette méthode à l'autre parce qu'avec cette méthode, comme on met un point de colle de l'autre côté, ça peut bouger un petit peu. Et celle-ci, au moins, on est sûr. Regardez, ça s'attache beaucoup mieux. On le voit tout de suite. Donc, je vous conseille d'utiliser cette méthode. Elle est vraiment top et inratable pour mettre les aimants au bon endroit. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à vous donner des astuces pour la pose d'aimant, qu'elle va aider surtout les débutantes qui se demandent comment les poser. Alors bien sûr, il y a plein de tutos à ce sujet. Moi, je vous ai juste montré ma façon de les poser. C'est la mienne. Voilà, et puis eh bien, je vous souhaite de belles créations en tout genre, bien sûr. Et je vous retrouve très vite donc pour faire une carte avec ce trifold et en utilisant mes Wild Aster, les dernières fleurs que j'ai faites, comme vous l'avez vu dans un des tutos précédents. J'ai envie de les utiliser sur cette carte. Donc je vous retrouve très vite pour une jolie carte. Bisous, bisous. Bonne pose d'aimant. À très vite.